Le public est très fair-play. Et c'est vrai que ouais. 54 points, c'est qu'en gros, c'est Charles Tétard a plus de points au niveau de la technique, tout comme Noël-Antoine Pierre. Ouais. Donc c'est vrai que c'est très décevant. C'est sévère aussi, peut-être. Parce que c'est ce que le public a dû siffler. Moi, je me mets de leur côté. C'est vrai que bon, c'est quand même le champion d'Europe en titre. Mais alors, par contre, il y en a un au milieu de la piste qui est tout guilleret. Il faut encore faire son travail, mais c'est vrai que là, le saut qu'on a vu rentrer là, juste sur l'échauffement, c'est quand même de bon augure. On le présente plus. C'est Brian Joubert, Matrix.
champion du monde 2007 et probablement champion de France. Je crois que le titre va rester chez lui. Brian, très concentré, très appliqué, qui a fait chaque élément. C'était pas gagné, on sentait qu'il y avait une certaine fébrilité, mais il n'a rien lâché et il fait un programme avec deux triple axel, un très beau quadruple inaugural. Vraiment, il a rempli le contrat. Je vous interromps parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Florent Amodio. Bonjour Florent. Salut. Comment ça va? On vous a vu vous faire mal au dos pendant le ouais, livre. Je sais pas ce qui... J'ai eu une petite douleur à la sortie du quad salco et pour les axels, je dirais que c'est une erreur technique, mais après ça me brûlait vraiment, mais c'est la vie. Hein. Mon coach m'a dit c'est bien, t'as enfin passé le quad, on est venu là pour ça, mais non, c'est con parce que ça fait... J'ai passé 3 semaines à trimer, ça continue à être dur, mais voilà, on va garder le positif. Et maintenant, rendez-vous championnat d'Europe. Je pense que voilà, si physiquement je continue à faire les entraînements que je fais, je devrais pas m'inquiéter. Je vais faire gaffe à mon dos, mine de rien, parce que j'ai dû bien pousser la machine ces 3 dernières semaines. Donc voilà, on va faire gaffe à ça, mais non, je reste, on va rester positif pour cette compète. Ouais. Juste une petite question, vous avez tout changé, je l'ai vu sur votre site internet, hein, les patins, les tenues, pourquoi changer une équipe qui gagne? Ah, gagnez pas malheureusement cette équipe. Donc, Bon, c'est pas tout à fait faux. Donc non, je pense que pour moi, même dans ma tête et avec mes coachs, on a trouvé ça très bon de se renouveler. J'ai pas réussi à donner l'émotion que j'ai voulu donner au cours de mes derniers programmes, donc c'est pour ça qu'on a changé tout. C'est vrai qu'en 2 semaines et demie, c'est un défi énorme d'arriver avec de nouveaux programmes. Je l'ai vu là sur le programme long, c'est pas en 2 semaines que tout est réglé, mais voilà, le quad arrive de mieux en mieux, c'est le principal. Et j'ai vu que les autres sauts, il n'y avait aucun souci pour les réaliser. Donc maintenant, le roi de l'entraînement, il faut qu'il devienne roi aux compètes. Voilà, tout simplement. Vous n'êtes pas un peu exigeant avec vous-même parce que vous remettre un défi de tout changer. Non, mais de tout changer en 15 jours. C'est vraiment crucial dans la victoire norvégienne aujourd'hui. Bardal, Sklett, Romeren et il. C'est la vie. Je sais que j'ai les championnats d'Europe dans un mois. Oui, c'était soit maintenant, soit sinon c'était trop tard. Donc je pense qu'on a fait ça au bon moment. Il me reste un bon mois à bosser pour être prêt. Mais je vais continuer. Vous gardez votre titre. Il faut, oui. Mais il faut, il va. Bon, apparemment, il y en a un aussi. Vous restez avec nous. Juste, il y a sa note qui va tomber. Je crois qu'il y en a un qui garde son titre aussi de champion de France. C'est Brian Joubert. Vous avez un petit mot à lui dire. C'est normal. C'est normal. J'étais pas là au programme long. Bravo à lui. Et l'équipe de France, j'espère, reviendra celle qu'elle a été au championnat d'Europe. Et en tout cas, je pense qu'on est tous les deux concernés, même Nathalie Fabian et tous les autres, à donner le max d'entraînement pour être au top en compétition. Eh ben, bravo pour ce fair play, Florence.